vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, mes colos de la semaine. Donc si vous entendez du bruit, c'est parce qu'en fait ma fille est en train de regarder Rebelle dans la salle de jeu. Donc voilà, j'en ai pas fait beaucoup, mais plus que prévu, puisqu'au final j'ai reçu cette semaine du nouveau matériel. J'ai fait une vidéo haul première partie et du coup je l'ai testé pas mal sur le format carré Hachette. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas eu trop de temps cette semaine. Donc, je vais revenir sur quelques-uns, comme d'habitude. Donc, tout d'abord, pour moi, le raté de la semaine, c'est celui-ci. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à retranscrire ce qu'il y avait sur la photo d'en face. C'est-à-dire, déjà, l'effet de perspective, les cailloux en avant, la mer, et puis vraiment à l'arrière-fond, les falaises. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal au niveau des couleurs, etc. Je l'ai publié une première fois sur mon groupe et puis je suis une acharnée. J'ai voulu le retravailler une deuxième fois, donc je suis revenue avec de la pastel, mais non, j'en suis vraiment pas contente et j'étais vraiment déçue sur le moment parce que c'est vraiment ce genre de livres comme les affiches mythiques, les scènes cultes, Le Roi Lion, c'est vraiment des livres qui me tiennent à cœur et bon, j'étais assez déçue. Alors, c'est pas une catastrophe, mais j'en suis vraiment pas contente, donc bon, c'est tout. Voilà, tant pis. Ensuite, j'ai fait deux silhouettes. Donc, il y a celui de Pocahontas, comme vous le saviez, c'est le DA de la semaine. Donc là, pour le coup, j'ai dessiné John Smith, j'ai dessiné Pocahontas. Et dans le fond, j'ai essayé de retranscrire, vous savez, quand il y a le vent, ça fait un peu un fond rose avec les feuilles et tout, etc. Donc, j'ai essayé de faire un peu cette ambiance entre guillemets, et tout le reste j'ai fait au CDC Prismacolor à sec et puis des fois avec des touches de stylo paillettes qui se voient pas trop sur la photo, mais j'en suis très contente. C'était la première fois que je dessinais dans le bloc silhouette des visages simplement dans la silhouette blanche et franchement je trouve que le rendu il est top. Et ensuite j'ai fait Cusco. Alors là, Cusco, je l'ai simplement reproduit en entier. Pour le fond, je me suis pas trop embêtée. J'ai vraiment tout fait quasiment au pen 68. Non, j'ai fait tout au pen 68, oui. Et puis un peu de stylo paillette, mais c'est pareil sur la photo, ça se voit pas trop. Et j'étais assez contente parce qu'en fait, quand je l'ai montré à mon mari, il n'avait pas percuté que ça venait de ce bloc-là. Il me dit, ouais, il est bien et tout. Je dis, c'est moi qui l'ai dessiné. Et il l'avait pas vu, donc ça prouve que c'est pas trop mal fait. On peut croire que à la base le dessin il existe comme ça. Donc vraiment pour le bloc silhouette, je laisserai jamais la partie blanche, je pense toujours dessiner quelque chose à l'intérieur ou faire comme j'ai fait pour mon tout premier, colorier mais jamais laisser blanc. Ensuite dans les vitraux j'en ai fait un et je vous ai fait un tuto sur le fond, donc feutre basique aquarellé, je vous laisse aller regarder. Et vraiment c'est un fond à la portée de tous qui demande pas beaucoup de matériel et je suis très très contente du résultat final. Je trouve que tout est bien accordé, donc all bend pour les ailes et puis tout le reste j'ai fait Prismacolor à sec. C'est vrai que je faisais généralement, maintenant je le fais au CDC Aquarellab ce livre, mais là quand j'avais fait réponse, j'ai eu envie de revenir au CDC dans ce livre là et j'aime beaucoup le rendu, je trouve que l'ensemble ça rend bien. Ensuite, pour les scènes cultes, donc c'est un livre où voilà, faut se lancer et j'ai beaucoup de mal parce que j'ai toujours peur de rater. Et là, pour le coup, j'ai choisi mon dessin animé préféré, La Belle et la Bête. Et c'était la première fois que je voulais faire un peu l'effet poil. Et ça va, je trouve que je me suis pas trop mal démerdée. J'ai tout fait à sec au niveau des personnages. Et par contre, pour le fond là et l'auréole de la cloche, j'ai estompé au white. Mais sinon, alors il m'a pris beaucoup de temps, surtout la bête, puisque j'ai colorié trait par trait en fait à chaque fois en superposant les couches. Mais je trouve que le résultat il est sympa, enfin il est sympa, non en fait je l'adore. J'adore ce que j'ai pu faire, vraiment j'en suis très contente. Et même au niveau des cheveux de Belle, je l'ai fait trait par trait en fait pour qu'on ait quand même une espèce de nuance. J'essaye maintenant de ne plus faire les cheveux que d'une seule couleur unique et sans qu'il y ait de traits, etc. Puisque on n'a pas des cheveux, tout n'est pas uni quoi. Donc voilà, j'essaye maintenant un peu plus de mieux travailler mes personnages et ça va, ça commence à porter ses fruits. Après, celui-là je vous montre parce que
J'ai toujours eu du mal à apporter de la lumière dans mes colos et pour le coup, au niveau de celui-là, donc toujours Pocahontas pour le DA de la semaine qui est passée, je suis hyper contente de sa robe. J'essaye maintenant de mettre de la lumière sur mes personnages, sur mes colos, donc que ce soit au niveau des cheveux ou des habits. C'est pas toujours évident quand on ne sait pas comment ou placer en fait, c'est surtout ça. Comment placer la lumière, mais pour le coup, je suis vraiment contente. Je voulais faire un fond, je ne l'ai pas fait. Bon, est-ce qu'un fond aurait tout gâché? Enfin, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je le laisserai comme ça, je ne reviendrai pas dessus, mais je suis vraiment contente du résultat que j'ai pu obtenir. Et je vous dis, maintenant, j'essaye vraiment de mettre des effets de lumière, même si ce n'est pas toujours simple. Après, donc, le Winnie, je vous l'ai mis là dans mes colos de la semaine, mais en fait, j'avais fait la semaine d'avant, mais j'attendais mon duo. Et celui-là, j'en suis très contente, puisque, comme je vous avais dit, maintenant, mes dégradés, j'essaye vraiment de bien les travailler. Et ceux-là, je les ai fait à sec. J'avais juste commencé à l'estompe papier pour celui-là, mais sinon, celui-là, j'en suis vraiment contente. Ouais, je trouve que... Bon, je me suis pas mal démerdée et ça... C'est un carré que j'aime beaucoup, donc voilà. Et puis le deuxième que vous avez vu, c'est celui-là, ça fait tout mimi, tout... j'aime bien. Et ensuite, j'arrive à la partie néocolore. Alors dans mon haul, je vous ai présenté que j'ai acheté les 30 néocolores. Et en fait, j'ai déjà fait beaucoup de tests, je suis comme ça. Dès que je reçois du nouveau matériel ou un nouveau livre, je suis toujours impatiente de vouloir tester. Et quand je teste du matériel, je teste toujours à fond. Je vous ferai une vidéo vraiment spéciale néocolore. J'ai fait une petite vidéo rapide sur mon groupe, sans montage, etc. Parce qu'on m'avait déjà posé pas mal de questions. Et pour ma chaîne, je ferai quelque chose d'assez construit en vous montrant tout ce que j'ai pu faire, les différentes techniques, puisque là, j'ai essayé vraiment 5 techniques différentes. Et puis après, par la suite, je vous ferai comme le feutre, le tuto du feutre, je vous montrerai comment je réalise un fond avec les néocolores. Donc je débute, hein, je les ai que depuis quelques jours, mais j'en ai déjà fait pas mal, j'ai testé pas mal de choses. Donc tous les tsumsum que vous avez vus, dans le début de la vidéo, tout est fait, les fonds au néocolore. Donc il y en a des plus réussis que d'autres. Celui-ci, je trouve que c'est... Non, pour le coup, je me suis foirée, mais je vous expliquerai quelle technique j'ai essayé et pourquoi. Celui-là, c'était pour vraiment faire découvrir ces 30 couleurs de cette magnifique palette. Et je trouve qu'au final, ça fait sympa, c'est très très coloré. Et puis celui-là, ça reste mon préféré puisque je trouve que j'ai quand même réussi assez bien à fondre les couleurs. Donc le néocolore, j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui avait du mal à le travailler. Là pour le coup, je me suis un peu acharnée sur les différentes techniques et j'ai vraiment voulu tester à fond et tester aussi des choses. Je vous en parlerai correctement dans une vidéo et j'essaierai vraiment de choisir un colo où je vous montre vraiment ce que je peux faire dessus. Et dans les derniers, puisque cette semaine, dans mon groupe, c'est Julie qui a fait le jeu. Alors, pour expliquer en gros, mais vraiment en gros, on doit dessiner un personnage qui a un trait de caractère ou une ressemblance physique avec nous. Voilà, en gros, ce que ça peut donner. Donc, pour le moment, j'en ai fait deux. J'ai fait Roger, qui aime les dalmatiens et qui a des dalmatiens tout comme moi, puisque j'ai deux dalmatiens. Et en fait, le fond, je l'ai fait au néocolore ici. Donc, c'est vrai que ça mérite... Le fond, j'aurais dû prendre un gris un peu plus foncé. Et après, j'ai mis du bleu. Mais je suis assez contente du rendu. Vraiment, le néocolore, c'est vraiment quelque chose que j'aime travailler. Et le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. Je l'aime beaucoup. Bon, je sais pas. Enfin, alors, j'aime beaucoup le fond en lui-même. Après, mes personnages, ça fait assez simple, je trouve. Mais bon... J'aime beaucoup parce que j'ai à nouveau utilisé mes néocolores. Donc pour le jaune, pour le bleu et pour ce fond-là. Et je trouve que ça ressort assez bien. Donc voilà. C'est tout pour cette semaine. La vidéo sera assez courte. J'ai reçu un nouveau livre et j'ai déjà commencé un nouveau colo. Mais vous le verrez dans le haul de la semaine prochaine puisque j'attends encore deux autres articles. Donc voilà, je vous ferai un nouveau haul et puis je pense que pour la semaine prochaine, ça sera tout. Il y aura juste ma vidéo haul. À l'avenir, je vous ferai une vidéo CDC, mais
J'attends, en fait, la question c'est mes new doers. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vous les présente, etc. Je ne sais pas. Et puis, ça sera vraiment tout pour la semaine prochaine. Vous aurez mon deuxième haul, donc deuxième partie. Et puis ensuite, mes colos de la semaine. Et la semaine d'après, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale CDC pour vous montrer un peu tout ce que j'ai, vous parler de ce que je pense de chaque marque et puis les erreurs d'achat que j'ai pu faire puisque j'en ai fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à donner votre avis sur les coloriages que vous avez vus, etc. Me donner des conseils s'il y a un colo que j'aurais pu améliorer en faisant telle ou telle chose. Et puis, la semaine prochaine aussi, dans mes nouveaux coloriages, dans mes colos de la semaine de dimanche prochain, je pense que là, je vais plus tester mes nouvelles pastels de chez Faber-Castell que j'ai acheté récemment. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ça sera pour le deuxième haul, ça c'est sûr. Allez, passez un bon moment et profitez bien de ces moments de détente. Bisous.